service vous est proposé par la famille de Saint-Joseph. Les moinémoniales de Saint-Joseph vous invitent à partager leur méditation et leur amour de la parole de Dieu en écoutant l'homélie proposée par le Père Joseph-Marie Verlinde. L'Évangile de Jésus-Christ est la bonne nouvelle du salut pour les hommes. Il est l'Évangile de la vie. Nous avons prié dans le psaume « Tu es mon Père et le rocher de mon salut ». Ces paroles du psaume nous font entrer dans l'adoration de la paternité de Dieu. Mais en cette fête de Saint-Joseph, ces mêmes paroles nous invitent à contempler la manière dont la paternité divine s'est reflétée dans la grande et humble figure de Joseph, l'époux de la très sainte Vierge Marie. Le même psaume dit encore « Avec mon élu, j'ai fait une alliance. J'ai juré à David, mon serviteur, j'établirai ta dynastie pour toujours, je te bâtis un trône pour la suite des âges. » Le psalmiste parle bien sûr du roi David, mais la liturgie nous invite à nouveau à tourner nos regards vers Joseph de Nazareth, le charpentier. Car Dieu a conclu avec lui une alliance toute particulière, une alliance que l'Église compare avec celle que Dieu a scellée avec David et avec Abraham. Le Dieu de l'alliance disait à Abraham, « J'ai fait de toi le père d'un grand nombre de nations ». Mais à Joseph de Nazareth, Dieu dit, « Toi qui, comme Abraham, eus foi en espérant contre toute espérance, je t'ai fait père de mon Fils, conçu du Saint-Esprit et né de la Vierge Marie, ton épouse. » Dans la foi, Joseph a en effet accueilli sous son toit celui qui accomplit l'espérance et l'attente de tous les peuples, Jésus, fils de Marie. Par la solennité d'aujourd'hui, l'Église professe et loue cette particulière alliance dans la paternité, comme la désignait Saint Jean-Paul II, alliance dans la paternité à laquelle Joseph de Nazareth eut part bien plus qu'Abraham. Abraham crut contre toute espérance parce que ni lui ni son épouse n'étaient plus en âge d'engendrer un fils. Joseph, lui, crut qu'il pouvait devenir père sans engendrer. Il crut en effet dans les paroles que Dieu lui avait dites par la voix de l'ange, « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, puisque l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit-Saint. » Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire le Seigneur sauve, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Ces paroles et celles si proches de l'Annonciation faite à Marie se complètent réciproquement et rendent compte ensemble du mystère divin de l'incarnation du Verbe Fils de Dieu. En donnant sa foi à ce qui lui fut dit de la part de Dieu, Joseph conclut avec le Très-Haut une alliance particulière que nous venons de désigner avec Jean-Paul II comme l'alliance dans la paternité. Et de fait, Jésus invoquera Joseph en reprenant le psaume, la parole du psaume, « Tu es mon Père ». Et les habitants de Nazareth feront de même, appelant Jésus le fils du charpentier. Quant à Joseph, il savait que ses paroles se référaient au Père éternel, créateur du ciel et de la terre. Il savait que l'alliance la plus sacrée était accomplie. Il savait que sa pauvre maison de Nazareth avait accueilli l'insondable mystère de la paternité divine, dont lui-même Joseph, l'époux de Marie, était devenu le dépositaire
et le fidèle serviteur. Ces mystères de l'alliance dans la paternité concernent également tous ceux qui sont les ministres de l'autel et de l'Eucharistie. Eux aussi ont conclu avec Dieu une alliance dans la paternité, grâce à laquelle tant d'âmes ont pu être élevées à la vie nouvelle dans l'Esprit Saint. Tout ministre de Dieu dans le sacerdoce exerce en effet une vraie paternité, spirituelle bien sûr. Saint Paul se réclamait d'elle quand il s'exclamait avec fierté « Dans le Christ, vous pourriez avoir 10 000 guides, vous n'avez pas plusieurs pères. Par l'annonce de l'Évangile, c'est moi qui vous ai donné la vie dans le Christ Jésus. » Et puisque sur le plan surnaturel, comme sur le plan naturel, la mission de la paternité embrasse d'une certaine manière toute la vie, l'apôtre Paul pouvait adresser aux chrétiens de Galatie cette autre vibrante apostrophe « Mes enfants, vous que j'enfante à nouveau dans la douleur jusqu'à ce que le Christ soit formé en vous. » Oui, le ministère du prêtre est un ministère de paternité. Le comprendre signifie comprendre aussi le sens profond de cette alliance spéciale avec Dieu qu'est le célibat. Il s'agit d'une alliance dans la paternité qui, vécue dans la foi, est appelée à une extraordinaire fécondité. Comme Abraham, le prêtre devient également père d'une descendance nombreuse et trouve dans les générations de chrétiens qui fleurissent autour de lui la récompense des fatigues, des renoncements dont est tissé son service quotidien. Joseph témoigna par toute sa vie de la primauté de ce service de la paternité. Aujourd'hui, la liturgie met sur ses lèvres les paroles du psaume « L'amour du Seigneur, sans fin je le chante. Ta fidélité, je l'annonce d'âge en âge. Je le dis, c'est un amour bâti pour toujours. Ta fidélité est plus stable que les cieux. » Joseph, l'homme juste, l'époux très chaste de Marie, le charpentier de Nazareth, proclame au cœur de l'Église la grâce extraordinaire de Dieu qui lui fut conférée à l'instar d'Abraham, la grâce de l'alliance dans la paternité. Et dans une même louange, il proclame la fidélité de Dieu à cette alliance qui s'accomplit dans le silence de son humble maison de Nazareth, où le travail remplissait les journées de la vie de la Sainte Famille. En ce jour de fête, demandons à Joseph de Nazareth, notre Père, de bénir notre humble travail quotidien, d'unir nos familles dans la communion de l'amour de l'Esprit Saint, de féconder le labeur apostolique des prêtres au service de l'Église, dont il est le protecteur et le Père, comme il fut protecteur et Père sur la terre, du Fils éternel de Dieu. Amen. Espérons que cette homélie vous aide à accueillir la parole de Dieu et à la mettre en pratique. Vous pouvez confier vos intentions de messe aux frères prêtres de la famille de Saint-Joseph. Si cette homélie vous a touché, merci de la partager sur les réseaux sociaux et de vous abonner à notre chaîne. Bonne semaine !